Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir aujourd'hui une application qui s'intègre parfaitement bien sous iOS 15. C'est vraiment génial, on va parler de Prismo Go. Alors, surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à venir me rejoindre en section membres pour continuer à m'encourager pour la suite de la chaîne Vision Hightech. Mais pour l'instant, place à l'intro. Rejoignez cette chaîne. On va se diriger sur appareil photo. On va l'ouvrir. Je vais donc aller dans le visualiseur de photo. Que j'ouvre tout de suite. Ici, on voit que j'ai pris une photo d'un livre quelconque. Maintenant, je vais me positionner sur le bouton complètement en bas à gauche, sur le bouton partager. Une fois sur partager, je vais ouvrir le tiroir. Bien sûr, ici, le tiroir étant ouvert, je vais descendre jusqu'à reconnaître le texte. Reconnaître le texte, que je vais tout de suite valider. Avertissement, traiter l'image. Ici, une boîte de dialogue s'ouvre qui me demande si je veux traiter l'image. Traiter l'image. Reconnaître le texte avec OCR intégré français. Reconnaître le texte avec OCR intégré français. Pour extraire du texte. Et ça, c'est vraiment ultra génial puisqu'on aura du texte en dur. On pourra sélectionner, copier-coller. Franchement, c'est le top pour toutes les personnes en situation de handicap visuel. Mais pas que, puisque vous allez voir que ce texte peut être lu à haute voix. Et ça, c'est vraiment ultra sympathique. C'est parti. Reconnaître. Bouton. On a donc reconnaître. Choisissez une autre langue. Bouton. On peut même traduire et choisir sa langue par défaut. C'est-à-dire que ici, on a toutes les langues vraiment prises en compte et c'est vraiment génial. Donc, on va reconnaître. Reconnaître. Bouton. C'est parti. Description de la scène. Bouton. Science fondamentale de planétologie. Au cours du manteau terrestre, les vestiges d'une autre planète, Goelioltolors, deux mégastructures géologiques proviendraient de Theia, qui aurait percuté la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Et dont les débris auraient donné naissance à la Lune. 2000 km fond du manteau terrestre, mâtions de la taille d'un continent. Sous nos pieds, esprits enfouis deux étranges forêts hautes jusqu'à 100 fois l'Everest par endroit. Et à en croire une étude récente menée F.R. Kyung-Yuan, de l'Université de l'État de l'Arizona, États-Unis, ces mégas d'origine extraterrestre. De tiges de Theia plus précisément, la protoplanète. On va faire une pause avec deux doigts. Qu'est-ce que l'on a tout en bas ? En bas, nous avons un bouton lecture. Lecture. Bouton. À gauche, répéter. Bouton. On a une possibilité de répéter. Arrêter. Bouton. D'arrêter la lecture. Arrêter. Bouton. Réinitialiser la position du lecteur. D'arrêter la lecture. Voix pour la lecture. Thomas. Français. France. Bouton. On peut choisir la voix pour la lecture. Voix pour la. Anglais. Etats-Unis. Alex. Premium. Sélectionner. Thomas. Premium. Choisir les voix. On peut donc choisir les voix. Vous pouvez télécharger les vins Audrey. Bouton. On va choisir Audrey par exemple. Audrey, Premium, Aurélie. Bouton. Action Aurélie. C'est Audrey, Premium, Select, Aurélie, Premium, Envoi. Bouton de retour. On va aller sur le bouton retour. C'est français. Sélectionner Audrey, Premium. Donc j'ai choisi maintenant ma voix Audrey Premium. Ok, bouton. Je valide sur OK. Je valide sur OK complètement en haut à droite. Ce qui veut dire qu'avec cette technique, quoi que vous fassiez ou que vous soyez, si vous prenez du texte à l'extérieur comme à l'intérieur, votre courrier, vous allez pouvoir correctement extraire le texte et pouvoir le faire lire tel un prompteur avec un bouton lecture, etc. C'est vraiment ultra génial pour toutes les personnes ayant des problèmes visuels, pour les personnes ayant des problèmes de dyslexie et bien d'autres personnes qui vont vraiment se régaler à écouter leur texte numérisé. On peut donc vitesse de lecture. Régler la vitesse de lecture. Français, bouton. Régler la langue. Traduire, bouton. Traduire le texte. Copier, bouton. Copier ce texte. Partager.
et partager ce texte. Copier, bouton, copier. Ici, on a copié. Partager, bouton. Et si je fais partager. Partager. Message, airdrop, message, bouton. Si je vais sur message. Message. Regardez. Message, science fondamentale P, traité avec Prisme Pro. Achetez le pack d'export pour accéder au texte et supprimer ce message. Mettre à niveau. Mettez à niveau et profitez des fonctionnalités d'export de texte, d'interactions intelligentes, de traduction et de reconnaissance de l'écriture manuscrite. Bouton. On peut donc mettre à niveau cette application du nom de Prismo qui vous permettra de numériser du texte, même manuscrit. Mettre à niveau. Plan Premium, groupé. Plan Premium, déverrouiller toutes les fonctions, plus toutes les fonctionnalités du pack d'export, plus un usage illimité de l'OCR en ligne pour une meilleure qualité. Plus de langues et la reconnaissance de l'écriture manuscrite, plus la traduction illimitée de textes en 59 langues. S'abonner, bouton, pack d'export, activer la fonction copier-coller, le partage de texte ainsi que les interactions directes suivantes, la composition d'un numéro téléphonique, la navigation vers une adresse. Le plan premium offre un usage illimité de l'OCR en ligne comprenant un OCR plus précis, en 26 langues, la reconnaissance. Abonnement mensuel, en tête. S'abonner, 0,99€. On peut donc s'abonner pour 99 € par mois. Abonnement annuel. S'abonner, économiser 15%, 9,99€. Ou annuel pour 9,99€. Plutôt pas mal du tout en termes de prix. Mettre retour à l'appareil photo. On a donc un retour à l'appareil photo. Description de la scène. On va donc reprendre une photo par exemple d'un texte. Prendre une photo, bouton, en tête. Réglage, bouton. Nature. Pause. Pour sauver Paris inondé des plaines. Un chantier de 360 hectares unique en Europe a débuté, à une centaine de kilomètres à l'est de Paris. Objectif de ce projet inédit, stocker l'eau de la Seine dans des retenues artificielles pour prévenir les crues dévastatrices dans la région parisienne. Vous avez même donc une possibilité de rajouter un raccourci Siri et lui demander « Lis ce texte à voix haute ». Vous avez donc l'application Prismo Go qui se lance. Prendre une photo, bouton, prendre une photo, en tête, réglage, bouton. Vous prenez une photo. 605 Vision Hightech, Folimpion 13, jeu, la recherche par Pierre Berlequin, et mathématiques énigmes, logique. Retrouvez chaque mois des problèmes ludiques pour solliciter votre curiosité. Solution dans le prochain numéro, illogique de lettres. Vous avez donc un lecteur qui s'ouvre automatiquement et qui vous lit votre texte. Surtout, très important, on peut traduire et lire le texte avec n'importe quelle langue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour cette vidéo et cette petite application qui va vous permettre de faire de la numérisation intégrale avec de la traduction. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr accessible. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.